Ma mère, c'est la reine. Elle a une prestance qu'on ne peut nier. Elle est fière. Elle est au-dessus des autres qu'elle observe. Mais elle sait qu'elle seule porte la couronne. J'adorais rester avec elle quand elle se changeait dans sa loge. Observer ce changement de rôle, cet instant où elle basculait dans le fantastique. Je m'en souviens comme d'un fou du volant. Il conduisait à toute allure sur les routes sinueuses du sud de la France. Radio classique à fond. Ça me rendait malade, mais c'était son échappatoire, un défouloir pour lui que de conduire. Il a toujours eu deux facettes, l'une compétitrice et jalouse, l'autre apaisée et tendre. La première est celle qui me marque le plus. Ce côté fou, imprévisible, un mélange de genres. Du féminin au masculin, de la danse à la séduction. Ce côté presque hautain, cet air de supériorité qui a tellement de charme et de charisme. Jean était calme, posé sereinement dans son fauteuil. J'aimais bien l'écouter parler, il se plaisait à me raconter des histoires. Sa voix, elle, reste avec moi. Une voix rauque, grave, puissante, et son sourire. J'ai grandi dans une galerie de miroirs, où le reflet et l'image sont teints. C'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on veut y voir. Thank you.
n'acceptent pas la victoire de l'autre. Ils ont peur de tomber dans l'oubli. Ils ont peur de l'obscurité, après l'orgasme scénique. Ils s'y attachent par tous les moyens. Ils vivent pour ce personnage, pour cette lumière qu'il leur apporte. Pour les éclats, les applaudissements. Pour les sourires, les compliments. Je sens bien leurs peurs, leurs espoirs écrasés, leur fragilité. J'ai grandi dans une pièce avec une armée d'esprits me contemplant, se contemplant eux-mêmes. Où les personnages commencent-ils ? Où la personne se termine-t-elle ? J'ai grandi dans un monde où les visages apparaissaient aussi vite qu'ils s'effaçaient. Un tourbillon de personnages, un kaléidoscope de masques. J'ai grandi telle une page blanche, entourée des images les plus folles, plus colorées, plus incroyables les unes des autres. Mon père comme un personnage haut en couleur. Pour lui, acteur n'est pas un métier, ce n'est pas un choix, c'est un état. Mon père, lui, j'ai toujours su qu'il était différent des autres et qu'il voulait être différent, unique. C'est le cancre, le fou et le philosophe à la fois. Il aime bouleverser les situations, chambouler les codes. Partout où il va, le monde est son public. Il ne s'arrête jamais de jouer. Thank you.
Je ne me souviens jamais comment l'histoire commence, ni comment elle se finit d'ailleurs. Seules des images, des flashs et des bribes de souvenirs me reviennent. Ce ne sont pas les histoires complètes qui m'intéressent, mais l'image qui en ressort. Je ne me souviens jamais de la fin des films, par exemple, ni même de ceux que j'ai visionnés plusieurs fois. Il doit y avoir quelque chose de trop fermé dans le souvenir du dénouement. J'aime les choses infinies, les entre-deux, les sursauts dans le temps. J'ai plaisir à me promener au fil de mes souvenirs d'enfance, sans être sûre de l'âge que j'ai ou du lieu exact où les événements se sont produits. Ce monde est mon existence ultime. Il n'a ni début, ni fin. Il ne vit pas dans une linéarité. Il est intemporel et irréel. Mais c'est ma réalité. J'aime fragmenter les choses, créer des collages vivants. Mais celui-ci n'est pas anodin. C'est une segmentation de l'esprit. Il n'y a ni vrai, ni faux. Seulement une quantité incalculable de possibilités. Seulement une multitude de personnages et de métamorphoses. Elles sont douces et flamboyantes, elles sont sobres et extravagantes.